Mesdames et messieurs, bonjour en direct pour l'événement Eurovision du siècle. Les dragons de la garde royale précèdent le carrosse qui va s'engager sur le parvis de la cathédrale. Pour l'heure, Charlotte reçoit l'ovation de la foule. Une foule où chaque jeune fille aimerait être à la place de la princesse. Je vous rappelle que la reine a été brodée jour et nuit par 200 jeunes filles vierges du royaume. Je suis une princesse royale. Ma vie est une affaire d'État. On nous signale un pli dans le tapis. Oh, tu l'as pris. Ah, maman! Je ne l'ai pas fait exprès. Il nous faut sauver ce mariage. Quel mariage? J'ai besoin d'une situation, je te jure. Prince consort, je me laisserai bien tenter. Ah, c'est rien. Mais c'est vrai, je vous assure, il y a des jours, je voudrais m'en voler. C'est rien. Oh, pardon. Mais est-ce que vous avez la moindre idée de ce que fait son Altesse royale? Désolé, on s'en va. On ne peut pas regarder baiser une princesse royale. Seigneur. Mon Dieu. Tout Jésus. Oh, mais je pouvais pas du nez qu'elle avait le feu au cul. Oh. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Dans son oeil. Il est pas des morts. Il est comment, t'as compris? Encore deux engueulades comme celle-là et le valet de chambre nous dénonce à Paris Match. Si son Altesse royale la princesse Charlotte. Vas-y, non. Vas-y, marche. Non, Captain Dark, non. Peut-être il faut lui trouver un nouveau Luc. C'est une première mondiale, cette gonzesse. C'est sexe. C'est moderne, non? Elle est splash. Charlotte! Ici, tout de suite! Je contrôle parfaitement la situation. Papa Tango clair décollage. Crie pas pendant que je décolle. T'as vu, Paul, fait un petit ménage. Non, incidemment, pour faire la vaisselle, doit-on mettre de l'eau dans ces nouveaux produits à l'huile d'olive? J'ai une inondation. On va être heureux. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Va garer ta voiture discrètement, je t'attends.